Donc ici, je vous ai mis deux bit.ly, des raccourcis. Donc je fais de la veille sur le packaging de différentes manières. Ça, c'est la veille vers les vidéos YouTube, en fait. Et si vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur, vous allez tomber sur les vidéos packaging que je trouve intéressantes. Et c'est souvent des choses techniques. J'ai d'autres ressources où c'est des choses plus visuelles, mais là c'est souvent technique. Comment faire le packaging, tel ou tel effet. Vous avez deux playlists parce qu'en fait il y en a une en anglais et une en français parce que voilà, il y en a qui n'aiment pas voir des vidéos en anglais et donc c'est séparé. Ok, donc par exemple je vais copier-coller ça dans la barre d'URL d'un navigateur et ça devrait m'amener vers voilà la playlist en anglais. Ah tiens, je vais changer de compte parce que sinon je visualise en tant que auteur. Voilà, c'est mieux. Donc vous voyez 236 vidéos sur le packaging avec, comme c'est indiqué là, les dernières au-dessus de la liste. Donc, moi, je fais ça avant tout pour moi, personnellement. Mais je vous le montre si jamais ça vous intéresse et je vous incite à faire vos propres veilles par tous les moyens. Ça peut être YouTube, Discord, Facebook, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit? Enfin, il y a plein d'endroits où on peut faire de la veille sur le graphisme, les évolutions du graphisme et sur les évolutions des technologies qui bougent énormément ces derniers temps. Ici, c'est la version à la playlist en français. Voilà, il y a beaucoup moins, 49 vidéos. Parfois, on trouve la même vidéo que dans la playlist en anglais parce qu'il y a certaines vidéos qui sont sans commentaires. C'est juste de la musique avec des démonstrations. Ça explique pourquoi dans les deux playlists, on peut trouver parfois les mêmes vidéos.